Nicolas Meyer-Landru, ambassadeur d'Allemagne en France, il y a un revirement, il y a un changement de ton face, au fond, à l'opinion publique allemande. L'Allemagne dit que cette question de réfugiés peut se régler si l'Europe essaye de le régler ensemble. L'Allemagne ne pourra pas régler la question seule pour toute l'Europe. Mais elle change sa règle du jeu. Elle a accueilli plus d'1 million de personnes l'année dernière. Elle est prête d'en accueillir encore. Ceux qui relèvent du droit d'asile, des réfugiés de guerre qui ont besoin de la protection. Il y a le droit d'asile d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi la dignité humaine. Ça veut dire que ceux qui viennent demander l'asile sur le territoire allemand, on instruira le cas. Et on instruira le cas si la personne a droit à ce type de protection. Mais ça implique aussi que ceux qui n'ont pas droit à ce type de protection doivent repartir. Et globalement, pour l'Allemagne, il est important que le chiffre des personnes qui arrivent baisse d'une manière significative et durablement.